Hey, salut à tous, c'est Adrien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Alice au putain de merde, l'échiquier. J'espère que vous allez bien quand on est parti. Je suis très mauvais aux échecs. Elle va me tuer. Voilà. En plus, faut que j'ai le brain de placer l'autre aussi. Oh là là, mais je viens de me lever, moi, un peu de pitié. Bon, hein. Voilà, vous m'avez compris. Je veux savoir, il est 10h du matin. Je me suis levé il y a 10 minutes. Et je ne suis pas en état de réussir la moindre épreuve. Par contre, je suis en état de te casser la gueule. Toi aussi, hein. Oh putain, un train. Ça présage vraiment rien de bon de ce que ce train soit ici. Maintenant, on va à la salle Radula, parce que ça s'appelle comme ça. Encore un qui peut survivre à la fuite du. Oh. Raté. J'ai envie de dire, on joue la carte de l'esquive. Voilà, on joue la carte de l'esquive et ça fonctionne. Oui, je l'ai vu, t'inquiète pas. Il m'a un peu foutu un vent le train, donc on va pas s'éterniser ici si j'ose dire. En tout cas, j'aime bien sa robe. Seul immense pouvoir. Ah. Quel pouvoir! Again! What the fuck, un peu? Attendez, il va repasser? Oulala! Ouais, en fait il repassera pas quoi. Il fait genre ouais t'as vu je suis encore dans le. Voilà. En faisant un bruit. Ah, chargement.
Oh là là! Vas-y, remonte ta tête, toi. Allez, salut! Voilà, ça c'est fait. Oh. Oh. Paf, paf. J'essaie de comprendre l'intérêt de l'endroit. Ouais. Attendez, vite. Il y a moyen que je l'ai. Il y a moyen que je l'ai. Ah, oh, fuck. Attendez, tout comme ça. Boing. Yeah. Hop. Allez. Et on tire, tire, tire le levier de cœur. Clac! Ah! Tu m'as plu. Et donc là, je le fais, mais pour l'autre côté. Putain, j'avais pas vu donc. Oh oh! Et j'étais aveugle depuis le début! Là, j'ai failli rater ça, quoi. J'ai failli rater ça, vous vous rendez compte? Hey, voilà, bien. Reviens. Merci. Donc là, faut que je fasse l'inverse. Faut que je l'imane celui-là. Bong. Plaf. Merde, c'est vrai que je suis plus lourde que. C'est bon, ça passe. Alors laisse-moi deviner, je vais bientôt faire refaire copain avec le bourreau. Oui, c'est sûr. Même pas. Peu savent trouver la voie. Ceux qui savent ne voient pas. Les autres ne veulent pas. Est-ce que vous m'en voudrez, moi, de bon matin, de faire ça? J'espère pas. Parce que déjà que je suis pas chaud pour faire un taquin à 3 h de l'après-midi, alors pour faire une partie d'échecs à 10 h du mat, mais rêver quoi. Je suis désolé pour vous, vous verrez pas les énigmes et tout, mais. En tout cas, je vous laisse entrer dans la porte. Elle ne fermait jamais. Sa chambre était plus loin de l'incendie. Il ne l'a pas asphyxiée. Elle ne fermait jamais. Et de plus, elle aurait pu sortir autrement, par la fenêtre. Quelqu'un a immobilisé ou tué Lizzie, l'a enfermée, puis a déclenché le feu au rez-de-chaussée pour couvrir son crime. Ils voulaient tous nous tuer.
Ah, le sale bâtard! Il a voulu tous les tuer. Le mec là. Oula, là il y a de la musique, ça va être tendu, je vous dis. Oh, on va retrouver notre copain, c'est pour ça. Ah, ok, mais. Ce qui t'offense, il faut toujours. Salut, cochon, net cochon volant. Oh, salut. Ok, c'est tout. Et que le coin du couchant. Ah, à moi! Putain, à moi! Le mec taré par la collectionnite aiguë, tu sais. À moi, là-dedans! Là-dedans, là-dedans, à moi! Ah, tiens, des monstres. Oh, salut les mecs! Enculé. Ouh là là. Oh là là, mais lui il me fait chier là. Bon, moi je vous poivre la gueule. Nous rêvons tous de nourriture et de gâteaux plus précisément. Tu reprends toujours du dessert, n'est-ce pas? Et du thé s'il y a du gâteau. Ok, donc là il y a le bourreau. Ça c'est marqué sur le mur. Salut. Est-ce que vous êtes prêts? Bourreau time! Ouais, à mon avis, c'est un jeu de cache-cache, ça va être rigolo. Ouais, vous l'entendez?
Je suis toujours la reine. Oui. Ne t'inquiète pas, tu vas l'être encore, dans ta mort, tout ça, mais... Allez, salut! Avant qu'il me casse les couilles... Tiens, salut! Alors, les autres ne sont pas des priorités. Par contre, eux, oui. Salut! Ta gueule. Le mec a sérieusement cru que je l'ai laissé survivre. Bah voyons. Et aucune trace du bourreau. What the fuck, un peu. Alors que la musique est sexy là, t'sais. Bah voilà. Le gâteau est un mensonge, Alice, ne fais pas ça! Wow! Ah ouais, non, non, en fait, ouais, non, t'inquiète. All is good. Tiens, allez, c'est gratuit. Ah, j'aime cette fille. Allez, salut! Peut attaquer par écrasement ou balayage. Pff. Allez les minus, adieu! Désolé, je passe. Excusez-moi. Pff, allez, dégage. Un jeu d'échecs, True Story. Allez là. Tiens, tu le sens le jeu d'échecs? Foiré. Mec, pas trop traumatisé, tu sais. Ah ouais, ils sortent à l'infini en plus, les enfoirés. Est-ce que j'ai un quelconque moyen de contre-attaquer? Je pense, attends, vas-y, rends-moi un boulet, toi. Allez! Merde, je suis trop mou. Allez, renvoie!
Je ne peux pas. Alors ça doit être ce tour tout simplement. Non, puisqu'elle est au-dessus. Ouais, sinon tu passes par là. Ah, je suis désolé que ça fasse aussi mal. Voilà. Manqué. Clac. Ça doit faire mal. Bah oui. Alice is not happy, motherfucker. Pa-pa-da-pa-da. Ah, je détruis tout, moi je me fais pas, je me gêne pas. Après tout, elle m'a fait me faire emmerder par un putain de bourreau géant. Alors payback time un peu. Hein. Oh oh, foutez-moi la paix. Deux. Touché. Trois. Attends, j'arrive. Petite tour, j'arrive. Allez, salut. Allez. Salut. Tiens, cadeau. Hey, mais c'est qu'on s'approche de la grande tour. Ah ouais. Allez. Allez, dodo les enfants. Alice n'est pas contente. Laissez passer. Excusez-moi, je ne tuerai personne. Je suis seulement mal intentionné avec ceux qui m'agressent. Oh là là. Old guy un peu. Allez, faites pas chier. M'obligez pas à vous tuer. Manqué. Ah merde, si touché. Attends. Non mais attends. T'as l'air vachement moins dangereuse la tour, hein. Tiens le cœur. T'as l'air vachement moins invincible sans ta tour. Pitié, espèce de salope, de la pitié avec le bourreau que tu m'as collé au cul pendant une bonne heure, tu crois? Je crois sérieusement que je vais te laisser tranquille. Adieu, ouais. Bon. L'endroit et l'envers d'une même carte, deux faces d'un dé. C'en est trop. Inutile de poursuivre. Elle est pas morte? Oh là là! Ses mains étaient froides, comme une anguille du fleuve.
Et son nom est laid. Bumby. S'il veut réussir un jour, il ferait mieux d'avoir la main plus douce. Oh là là, comment ce souvenir vient de complètement craquer à la gueule d'Alice. Donc c'est l'autre bâtard de psy à qui elle était offerte. Offerte entre guillemets. Oh là là, mais en fait c'est un enfoiré. Ah ouais, ok. C'est un putain de pervers en fait. Wow. Attends. Dis-moi, c'est pas un peu dégueulasse par ici? Oh, encore une salle radula. Parfait, ça me fait une fleur de plus. C'est nickel, ça m'arrange. Ne laisse pas t'attraper, bah il est mort, désolé, il s'est pris un coup, il s'est fait écraser, voilà. Oh cool. Tiens. Tiens. Boum, allez. Do you got a problem with me? Boum, 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 boum. Boum, boum, bam, pibada boum, boum, balaba, boum, boum. Hey! Non, ok. Si je cassais le truc sous le pied, ça ne marche pas. Technique traditionnelle, donc, on y arrache. Oula, tu veux dire qu'on arrache une tentacule pour en faire apparaître une autre pour en arracher une nouvelle? What the fuck? Attends. Deux secondes à la tentacule, j'arrive. J'arrive, c'est bon. Oh, avant, je m'occupe de tes copains aussi, attends. Problème? Bon. Ah, mais en plus, il fallait que je le fasse. Bah, tant mieux. Salut! Merde. Clac. Bonjour vous. Excusez-moi. Au revoir. Pardon. Excusez-moi. Je passe. Attends, vas-y, tire ton boulet. Voilà. PGM de la visée un peu. Excellent. Excellent. Mr. Brown style un peu. Yeah. Et ça me fait une rose de plus. Alice a retrouvé son habit bleu, vous remarquerez. Elle n'est plus en rouge. Ah, téléphone, attendez, je reviens. Et donc, excusez-moi, voilà. Les soucis du direct. Ha. On est dans l'arène ou quoi? Oula, là on est. Là on est dans son estomac. Oula vache. Attendez, je reviens encore, excusez-moi. Donc, excusez-moi, hein, j'ai du mal à ne pas me faire déroger aujourd'hui, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, mais il y en a au-dessus. Ah ah!
D'ailleurs, j'étais dans le menu, j'aurais pu penser à upgrader mon arme. Voilà, c'est largement ce qu'il me faut pour. Et voilà avec le cheval bâton final. On teste. Ça a l'air un peu plus violent au niveau chute. Non, 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 non. C'est bon, ça passe. Claque derrière moi. Tiens, elle meurt. Alors. Quoi derrière, y a la fête, hein? Non, le cœur. Voilà. Hey, salut! Les interrupteurs sont quand même des cœurs, alors je sais pas si c'est des cœurs de la reine, mais en tout cas elle est. C'est pire qu'un un poulpe ou un calamar ou je sais plus. Non, la pieuvre qui a trois cœurs. La pieuvre. Oula, une grande salle centrale. Et je peux plus courir. Oui, à l'aide. Alors à part avancer, je ne peux plus rien faire. Je m'attendais à quelqu'un d'autre. C'est ce que le docteur dit, en effet. Tu dis tout à savoir, mais tu ne fais qu'ignorer. Tu as déterré tous tes souvenirs. Que vas-tu en faire alors? Tu m'as écarté du pouvoir que j'avais sur nous. Sans trembler, mais tu as autorisé quelqu'un d'autre à me succéder. Reprenez vos tentacules. Tu préfères le soufre brûlant et malodorant comme un enfer souffreteux, déraisonnable, sans pitié ni merci. Je ne le crois pas. N'avez-vous rien d'autre à me dire? Le bon Bix croyait en votre aide. Et je crois qu'il me faut bien plus que ce que tu m'offres jusqu'à présent. Dans ce cas, nous mourrons tous. Tu mourras. Quant à moi, je survivrai ici. Mais toi, tu es fini. La destruction a repris son heure, et tu le sais. Cette rencontre d'effacer toute trace de ton passé, en particulier l'incendie. Qui voudrait cela? À qui profite ta démence? Alors le pays des merveilles disparaît avec mon esprit? C'est ça. Je l'ai mise en marche. Je peux l'arrêter. Je dois le faire. Je ne suis pas folle. Je n'ai pas tué ma famille. Je vais bien. Je suis innocente. Je suis en paix avec moi-même. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous faites? Le train doit être stoppé. Mais ce n'est pas tout. Ce trajet cache une tragédie. Il cherche, se dérange. Il n'y a pas de logique possible dans cette folie. Mon avis en tant que docteur est que la démence peut être soignée, mais peut-être pas cette fois. L'autorité doit être observée, voire imposée si besoin. Un mal pour un bien, c'est mon avis et c'est ainsi. Folle comme un chapelier, oh la pauvre. Le pire est fait, c'est fini, terminé. Oublie tout, oublie Alice, c'est terminé. Oublie tout. Tu mélanges la réalité et l'illusion. Ne sais-tu pas d'où tu viens? Un éléphant n'oublie jamais où il a mis sa trompe. Quand tu voyages, prends une petite valise. Pas plus grosse que ta tête.
Je me trompe peut-être, votre grâce, mais j'en doute. Tu reprends un chemin glissant. Ne t'éloigne pas trop. En effet, docteur. Bonne question. Oh, oui. Et je veux dire, il fait très chaud ici. Je voulais dire, très flou. Et elle n'aide pas. Oh non, pas du tout. C'est une humiliation. J'ai approuvé ta sortie, mais ton retour est très fâcheux. Ma réputation est ruinée. Les gens parlent, Alice. Comme un vieux chien, j'ai enterré l'os. Le sais-tu? La loyauté, ne jamais s'enfuir de sa maison. Reste, Alice, reste. Qu'est-ce qui se passe? Et où sont ses cheveux? Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour la suite d'Alice, retour au pays de la folie. Ciao les gens.